Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Aujourd'hui, 13 janvier, nous sommes heureux de célébrer dans l'Église universelle deux saints vraiment célèbres à cause de la qualité de leur vie et des actes qu'ils ont commis dans l'histoire de la foi. Il s'agit en premier lieu de Saint Rémy, archevêque de Reims, apôtre des Francs, entre 438 et 533, et le deuxième est Saint Hilaire, évêque de Poitiers et père de l'Église, en 367. Écoutons leur histoire, car elles sont vraiment une belle source d'inspiration pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 13 janvier 2024, la Sainte Église célèbre Saint-Hilaire, évêque de Poitiers et docteur de l'Église. Écoutons la vie très engagée de Saint-Hilaire. Tant sont très rares les informations sur sa vie, autant sont, au contraire, abondantes les œuvres théologiques que ce vrai défenseur fidèle nous a laissées. Né dans une famille aisée gallo-romaine et païenne, il reçoit une solide formation littéraire et philosophique, mais c'est seulement après la conversion au christianisme, comme lui-même l'affirmera dans une de ses œuvres, qu'il réussit à trouver le sens du destin de l'homme. C'est en particulier avec la lecture du prologue de l'Évangile de Jean qu'il est de Poitiers commence à donner une direction à sa propre recherche intérieure. Adulte, marié et père d'une fillette, il reçoit le baptême entre 353 et 354, il est élu évêque de Poitiers. La période historique où Saint-Hilaire vécut est particulièrement caractérisée par un pluralisme religieux et culturel qui, avec de dures polémiques, attaqua le noyau central de la foi chrétienne. En particulier, les doctrines d'Arius, Ebion et Photinus, pour n'en citer que quelques-unes, trouvèrent un terrain fertile aussi bien en Occident qu'en Orient, en propageant hérésies trinitaires et christologiques qui compromettaient le noyau central de la foi chrétienne. Avec courage et profonde compétence, Saint-Hilaire commence sa lutte contre la polémique trinitaire et en particulier contre l'arianisme en soutenant au contraire que le Christ ne peut être le sauveur des hommes que si et seulement il est vrai Dieu et vrai homme. Dans ce climat enflammé, Saint-Hilaire paya par l'exil son engagement pour le rétablissement de l'ordre dans la pensée théologique et pour le retour à la vérité. Nous sommes au IVe siècle, pendant le règne de l'empereur Constance, fils de l'empereur Constantin le Grand. Saint-Hilaire écrit une supplique à l'empereur en demandant de pouvoir se défendre publiquement en présence de l'empereur lui-même des accusations que Saturnin d'Arles avait injustement portées
contre lui en le désignant traître de la vraie foi évangélique et en le contraignant à l'exil pour 4 ans en Phrygie, dans l'actuelle Turquie. Incité par les Ariens qui voulaient se débarrasser d'Hilaire, Constantin le renvoie à Poitiers où, au contraire, il est accueilli en triomphe. Retourné dans sa patrie, il reprend donc l'activité pastorale avec à ses côtés aussi le futur évêque de Tours, Saint Martin, qui, sous la direction d'Hilaire, fonde à Licurgé le plus ancien monastère de la Gaule, avec l'objectif de contraster les effets de l'hérésie. Dans les dernières années de sa vie, il compose aussi un commentaire de 58 psaumes. Il meurt en 367 en laissant des écrits exégético-théologiques et des hymnes à caractère doctrinal. Parmi ses œuvres, il y a aussi le commentaire de l'évangile de Matthieu, le plus ancien en langue latine de cet évangile. Ses œuvres furent publiées par Erasme de Rotterdam à Bâle en 1523, 1526 et 1528. En 2007, en poursuivant son cycle de catéchèse pour les pères apostoliques, le pape Benoît s'était arrêté sur la figure d'Hilaire de Poitiers en résumant l'essentiel de sa doctrine en cette formule du saint. Dieu ne sait être rien d'autre qu'amour, ne sait être rien d'autre que Père. Et qui aime n'est pas envieux, qui est Père l'est dans sa totalité. Ce nom n'admet pas de compromis, comme si Dieu pouvait être Père sous certains aspects sans l'être sous d'autres. Saint Hilaire, modèle de conversion et d'engagement à imiter de nos jours. À tous ceux qui portent des prénoms d'Hilaire, nous vous souhaitons une très belle fête. Soyez saints comme votre saint patron. Saint Rémy, archevêque de Reims, apôtre des Francs. La naissance de Saint Rémy fut prédite à ses parents déjà avancés en âge par un vieux moine aveugle. Les talents et les vertus de Rémy le firent consacrer archevêque de Reims à l'âge de seulement 22 ans. Sa consécration fut marquée par un prodige. Le front de Saint Rémy parut brillant de lumière et fut embaumé d'un parfum tout céleste. Il montra dès l'abord toutes les vertus des grands pontifes. Les miracles relevèrent encore l'éclat de sa sainteté. Pendant ses repas, les oiseaux venaient prendre du pain dans ses mains. Il guérit un aveugle possédé du démon. Il remplit de vin, par le signe de la croix, un vase presque vide. Il éteignit par sa seule présence un terrible incendie. Il délivra du démon une jeune fille que Saint Benoît n'avait pu délivrer. L'histoire de Sainte Clotilde nous apprend comment Clovis se tourna vers le Dieu des chrétiens à la bataille de Tolbiac et remporta la victoire. Ce fut Saint Rémy qui acheva d'instruire le prince.
comme il lui racontait d'une manière touchante la passion du Sauveur. « Ah ! S'écria le guerrier, que n'étais-je là avec mes francs pour le délivrer ?» La nuit avant le baptême, Saint Rémy alla chercher le roi, la reine et leur suite dans le palais et les conduisit à l'église, où il leur fit un éloquent discours sur la vanité des faux dieux et les grands mystères de la religion chrétienne. Alors l'église se remplit d'une lumière et d'une odeur céleste, et l'on entendit une voix qui disait « La paix soit avec vous ». Le saint prédit à Clovis et à Clotilde les grandeurs futures des rois de France, s'ils restaient fidèles à Dieu et à l'église. Quand fut venu le moment du baptême, il dit au roi « Courbe la tête, fier sycambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » Au moment de faire l'onction du Saint-Crème, le pontife, s'apercevant que l'huile manquait, leva les yeux au ciel et pria Dieu d'y pourvoir. Tout à coup, on aperçut une blanche colombe descendre d'en haut, portant une fiole pleine d'un baume miraculeux. Le saint prélat la prit et fit l'onction sur le front du prince. Cette fiole, appelée dans l'histoire la Sainte Ampoule, exista jusqu'en 1793, époque où elle fut brisée par les révolutionnaires. Outre l'onction du baptême, Saint Rémy avait conféré au roi Clovis l'onction royale. Deux sœurs du roi, 3000 seigneurs, une foule de soldats, de femmes et d'enfants furent baptisés le même jour. Saint Rémy devint aveugle dans sa vieillesse. Ayant recouvré la vue par miracle, il célébra une dernière fois le saint sacrifice de la messe et s'éteignit, âgé de 96 ans. À vous tous qui portez le saint prénom Rémy, nous vous souhaitons une très sainte fête patronale. Que Dieu vous bénisse, soyez saints comme votre saint patron. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.